L'ex-président Jean-Bertrand Aristide a été auditionné ce mercredi 8 mai à la cour d'appel de Port-au-Prince par le juge instructeur Yvickel Dabrésil en charge de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Léopold Dominique. L'ancien prêtre était accompagné de plusieurs parlementaires. L'audition a duré près de 2 heures. À sa sortie, le cortège du leader du parti Fanmi Lavalas a défilé dans certaines rues de la capitale au milieu de plusieurs centaines de personnes, se présentant comme des Lavalassiens accompagnant la délégation jusqu'à la résidence de M. Aristide à Tabar. Notons qu'aucun incident majeur n'a été signalé lors de cette journée. Tout s'est bien passé, il a répondu à toutes les questions et le juge est tout à fait satisfait. Maintenant, nous sommes convaincus que le rapport qui va sortir n'aura aucun rapport avec le président Aristide. Donc, son dossier pour nous-mêmes, que nous ne battons jamais engagé, nous aujourd'hui encore davantage à travers questions et réponses qui étaient entre les magistrats et puis ancien président Jean-Bertrand Aristide. Tout citoyen à la disposition de la justice. Tous les citoyens, généralement quelconque, ça n'a pas dit en dedans, mais nous-mêmes, nous, et dit entre nous, on a continué de dire. Et ça qui est clair, c'est que le juge là, et pour le moment, il n'a pas dit nous que le gagnant pour le temps de nous, mais il a la conduite souveraine du dossier, il est capable à n'importe quel moment, estimer que le nécessaire pour le temps de nous encore. Donc, non, nous n'avons pas une convocation. Si le juge là décide de faire le matin, même nous serons là. Thank you.